Encore sur le tarmac, juste avant de t'embarquer pour l'aventure du chant spontané, considérons ensemble les transformations que tu vas probablement rencontrer en cours de route. En d'autres termes, voyons pourquoi chanter te fera du bien et pourquoi chanter spontané t'en fera plus encore. Comme on l'a vu, selon le regard que tu poses sur le millefeuille du réel, l'expérience du chant spontané sera chemin thérapeutique, chemin artistique ou encore chemin spirituel. Sur le plan thérapeutique physiologique, la voix est une énergie, le corps en est l'instrument vivant. Chanter spontané conduit à une libération du souffle, à une relaxation du corps de tension, à un épanouissement du corps de mouvement. Des effets vibratoires harmonisants se feront sentir tant sur ton corps qui chante que sur le corps de celui qui t'écoute chanter. La voix crée un champ énergétique favorable à la guérison. Cet usage du chant existe dans toutes les traditions chamaniques depuis la nuit des temps. Sur le plan psychologique, pratiquer le chant spontané est un chemin thérapeutique magnifique. En effet, la quête de la spontanéité te libère de tes croyances limitantes, secoue tes rigidités, transforme le regard que tu portes sur toi et sur l'autre. Chanter ensemble en improvisation requiert une clarification puis une guérison de tes schémas relationnels. Le chant spontané crée un espace d'aventure dans lequel tu peux t'exprimer dans une écoute bienveillante, libre de jugement, entendu et reconnu tel que tu es. Un espace dans lequel tu peux t'ouvrir à la rencontre sans attente ni obligation. Un espace ludique dans lequel tu peux expérimenter l'accord et le désaccord, le plaisir de guider ou d'être guidé, dans lequel tu peux te réconcilier avec les jeux d'influence. Enfin, tu y découvres la joie de créer ensemble, dans la fluidité et l'intimité d'une reliance presque sacrée. Au final, dans un monde fait d'impermanence et d'incertitude, chanter spontané te conduit à trouver un ancrage inébranlable dans l'instant présent, ressource inestimable pour improviser ta vie en confiance. Sur le plan artistique, chanter spontané, c'est bien sûr être créateur de musique. Apprivoiser le processus de la création improvisée, savoir jouer avec les formes musicales émergentes, découvrir la liberté dans la contrainte du cadre de l'œuvre et des lois naturelles de la vibration, est un enrichissement précieux qui peut se transposer à la pratique de tous les arts vivants. Enfin, sur le plan spirituel, le chant spontané s'avère être une forme de méditation puissante et immédiate qui te dépouille du superflu pour te plonger au cœur de l'instant présent. Au fil de la pratique, une nouvelle forme de reliance au monde se déploie, une sensation de joie ineffable s'installe au cœur des tourbillons de ta vie. Le chant spontané est une véritable initiation tantrique, une voie vers la spontanéité de l'extase. Il est désormais temps de partir. Pourtant, au seuil du voyage, réalise encore une fois que tu es peut-être déjà arrivé. L'incroyable de l'aventure du chant spontané, c'est que tout est déjà là dès le départ. Tu es déjà libre, relié à la source et créateur. Alors vas-y, pose ce livre et chante. Le chemin sans chemin. Magnifique, évident et parfait. À chaque voyage, la spontanéité te propose un nouveau défi et un nouvel enseignement. Et comme il y a 1000 chemins, tu ne pourras jamais prendre deux fois le même.
car celui d'aujourd'hui n'est déjà plus celui d'hier. Tu ne peux jamais connaître le chemin à l'avance. Chaque chemin se fait en cheminant. Au final, tu n'apprends pas un chemin, tu apprends à cheminer. Encore une question. Faut-il partir avec une intention? Avoir une intention est capital, car cette intention va orienter ton chemin et jusqu'à un certain point déterminer l'expérience que tu vas vivre. Tu trouves ce que tu cherches. Mais si ta concentration sur le but est trop étroite, tu manqueras des merveilles. Si tu cherches des fraises sauvages dans la forêt, peut-être ne verras-tu pas les noisettes ou les écureuils. Pour autant, si le saut de l'intention peut être utile pour déclencher le voyage, il devient superflu une fois que tu es en chemin. Ainsi, ne pas avoir d'intention est tout aussi capital. Quand ton intention se dissout, ton écoute se libère et te donne à voir ce qui était caché. Tu perçois alors ce qui se joue vraiment au cœur de l'instant. Tu trouves alors ce que tu ne savais pas que tu cherchais. Et peut-être qu'une nouvelle intention apparaît et t'incite à dévier ton chemin pour changer de cap. Aussi, honore le paradoxe sans le résoudre. Sois concentré sur ta destination, mais accueille aussi le vent du jour. Reste ouvert au chemin de traverse. Ton désir est de chanter dans l'allégresse, mais ta voix t'emporte vers des tonalités de tristesse ou de colère. C'est toujours ton chant qui voit juste. Aucune expérience n'est ratée. D'ailleurs, l'expression de cette colère va peut-être guérir une blessure cachée, dissoudre une tension dans ta gorge ou ton plexus. Ne rien attendre, tout attendre. En cours de chemin, tu vas rencontrer des passages délicats. Tu vas vivre des moments inconfortables. Quand tu ne reconnais plus le paysage alentour, quand tu ne sais plus qui tu es, d'où tu viens, ni où tu vas, quand la fatigue ou l'ennui te prennent, quand tu décroches, quand rien ne fait sens, que tu te sens perdu, démuni, chéris ce moment. C'est la clé du voyage. Peut-être même que le véritable voyage commence à ce moment-là. Tu dois te perdre pour trouver la voie. Garde le cap vers l'inconnu, lâche prise et traverse. Ton ignorance, si tu l'accueilles, va t'offrir un nouveau regard, de nouveaux repères. Ta fragilité, si tu l'autorises, ouvre une brèche dans laquelle la source va te trouver et jaillir. Quand tu auras vécu cette épreuve une première fois, tu accueilleras la suivante avec enthousiasme. Puisque tout chemin est enseignement, chaque obstacle est une chance, une opportunité de transformation. Au cœur de chaque désarroi, tu trouveras une clé de transformation. Naître est parfois une déchirure, parfois juste le glissement d'un monde à un autre. En cours de chemin, tu vivras aussi des moments de grâce. Quand soudain, dans l'exaltation du hors-piste, la voix trace son chemin dans l'évidence et la fluidité. Le chant spontané te traverse et t'émerveille. Tu as la sensation étrange d'être engagé exactement dans la bonne direction sans même savoir où tu vas. D'instant en instant, ton chant déborde à pleine joie. Cette expérience magique est fondatrice d'un nouveau rapport au monde et restera gravée à jamais en toi comme un trésor secret. Comment continuer le voyage après la grâce? Ce sera le nouveau défi. Surtout,
ne t'accroche à rien, oublie et poursuis ton chemin comme si de rien n'était. La joie reviendra, mais tu ne la trouveras jamais deux fois au même endroit. Comme quand tu entreprends de gravir le sommet d'une chaîne de montagne, à chaque fois que tu crois être arrivé en haut, le sentier tourne le flanc d'une falaise et tu aperçois une nouvelle vallée et un nouveau sommet. Ainsi, dans le monde du chant spontané, il y a toujours un nouveau lâcher-prise qui te conduira vers un nouveau sommet, une nouvelle plénitude, une nouvelle extase. À la fin de chaque voyage, bien que transformé par tes aventures, tu te retrouves au point de départ, dans l'immuable de l'instant présent, car ton cheminement se fait en spirale. Quand tu repars à l'aventure, ne t'accroche surtout pas à ce que tu as découvert la fois précédente. Ne garde rien, remets tout en jeu. La maturation se fait dans l'invisible. C'est la condition pour que le nouveau chemin continue à t'enseigner. À chaque fois, c'est la première fois.